Et bonjour les gens, on se retrouve sur Mindfight. Donc je tourne cet épisode à la suite de l'autre, donc j'aurai sûrement pas lu vos commentaires d'ici là. D'ailleurs, pour toute la série, vous étonnez pas si parfois il y a un petit décalage entre mes épisodes et la lecture des propositions qu'on me fait, parce que parfois il arrive que je tourne plusieurs épisodes d'affilée. Toujours est-il que j'ai pensé à d'autres idées. Entre les deux épisodes, parce que je les tourne pas totalement à la suite. Notamment pour les combats, au lieu de faire du 1 vs 1 pur, je pensais faire des combats en temps limité. On va partir sur 3 minutes, ce qui me paraît pas trop mal. Et avec un, pas un trou, mais un système de score. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un tue l'autre, il se rajoute un point. Et à la fin des 3 minutes, c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Et en cas d'égalité, si égalité, on fait un deathmatch où on pourra éventuellement, si le deathmatch trop long, soit victoire random, soit Ah, je pense pas qu'on puisse le faire ça. Si, balancer des potions pour les empoisonner. Soit. Malus potion, on va écrire. Ou. Malus potion. Voilà, ça rentre. Donc, quelque chose dans ce genre-là. Je pense que c'est un peu plus intéressant que du 1 vs 1 où vraiment l'autre. Va que enfin ou voilà ça se joue parce que le PVP c'est quand même un petit peu de hasard même s'il y a de la technique aussi mais du 1 vs 1 vous avez quand même une grosse partie de hasard si vous prenez que sur un combat. Maintenant si on fait sur 3 minutes où les arènes vont pas être forcément énormes, je verrai le temps hein. Pour l'instant c'est ça dépendra de l'arène, mais où ils peuvent se combattre 4-5 fois, là sur 5 combats il y a plus de chances qu'il y ait un gagnant entre guillemets. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est aussi un système de score. Alors j'ai mis sur 3 minutes et ça peut être aussi le premier qui a 5 kills, etc. On va rajouter ça d'ailleurs. Combat temps 3 minutes ou premier. Ah, allez, 5 kills, on va mettre quelque chose dans ce genre-là. Pour que ça soit un peu mieux au niveau du combat, comme j'ai dit. Sachant que là, quand je réfléchis à tout genre de choses, je sais déjà d'office que c'est faisable avec les commandes blocs, hein. C'est pour ça que je me permets de l'écrire. Alors aujourd'hui, à quoi on va s'attaquer? On va s'attaquer au point de spawn. C'est quelque chose d'important. Et on va mémoriser ce point qui est ici, parce qu'on va se servir de celui-là. Donc, que je prenne un stylo. Une feuille, une feuille, une feuille. Où sont les feuilles? Je peux prendre mes impôts, je peux écrire dessus. Donc on est en moins 630, 54. On va spawner un peu plus haut, donc on va mettre. Non, 54 c'est très bien parce que je ferai le truc au sol. Et 90. Quoi faire avec ces coordonnées? On va sortir du jeu et on va se retrouver. J'espère que je peux enregistrer proprement avec Fraps là-dessus, je sais pas. On va se retrouver dans un logiciel pour modifier le level point date de. Je vérifie un truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est bon. On va modifier le level point date de la sauvegarde pour forcer le point de spawn en multi. Parce qu'une fois qu'on le change, après qu'on met cette map en multi, le point de spawn sera forcément là. Je vais essayer de filmer NBT. C'est avec NBT Edit qu'on fait ça. C'est un logiciel qui permet de modifier les sauvegardes. Il peut vous servir aussi. On va voir directement dessus. Bon, voilà, on se retrouve sur NBT Edit. Je m'en suis sorti, même si Logmin m'a posé des problèmes. C'est pas lié à ça, c'est pour l'enregistrement. Donc, je vais ouvrir ma sauvegarde. Donc je suis dans ma sauvegarde, dans le répertoire .minecraft, vous avez les saves, j'ai Mindfight, et on va ouvrir le level point date. Et donc là on a tout ce qui est défini dans le jeu, notamment voilà, le command, hardcore, les game rules qu'on a vu tout à l'heure,
que j'ai forcé avec mes commandes blocs qui sont établies ici. Et puis d'autres choses comme voilà le joueur, tout ce que j'ai dans l'inventaire, etc. C'est plutôt complet. Ce qui nous intéresse, c'est les spawns. Donc on avait dit que je veux changer moins 630, 54. Et d'ailleurs, oui, 54 c'était bien, et 90. Donc de cette façon, le spawn est forcé et ça devrait être mieux. Le player, lui, a, je crois... Est-ce qu'il a ses propres... Non. C'est sa position. Il a pas motion, si t'es en mouvement. Je pensais qu'il avait son propre spawn, mais il doit peut-être l'avoir une fois qu'on dort dans le lit, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui s'ajoutent ici, un spawn X, Y et Z. Ça, c'est vraiment le spawn du monde. Donc là, je l'ai forcé, comme ça, je sais exactement où il est, aux positions que je veux. Et ensuite, il suffit plus que d'enregistrer. Et c'est bon, on a modifié notre sauvegarde, et du coup, ben, on va se retrouver... Dans le Ok, jeu. on se retrouve à notre point de spawn, hein, qui était bien moins 630... 54,90 comme on l'a défini. Et ce qu'on va faire, c'est que on va considérer que le joueur spawn, les joueurs spawn sur ce bloc. Voilà, ça lag toujours autant. Alors comment ça marche la règle de spawn? C'est que on a un point central, mais les joueurs peuvent spawner dans un carré de 20 x 20 autour de ce point central. Donc si on part du point central, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc ils peuvent spawner jusqu'ici. La limite sera là. Et pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors là, ça fait 21. Hein. Normalement, c'est que 20, mais je sais jamais de quel côté on a que 9 blocs et de l'autre côté on a 10 blocs. Donc je laisse comme ceci. Et on va plutôt mettre de la. Voilà, stone brick. Ça sera mieux. Et donc, du coup, de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toc, toc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toc, toc. Donc ça, c'est vraiment la zone où les joueurs spawnent. Donc je vais faire le carré, on se retrouve après. Donc, nous voici avec notre zone de spawn bien déterminée. Tous les joueurs vont spawner dans cette région. Ce qu'on veut, nous, c'est les téléporter à un endroit qui sera plus petit. Et ça peut être n'importe quoi, une cabane. Enfin, on verra pour l'instant. Pour l'instant, ce qu'on va faire, cet autre endroit, on va en faire une plateforme. Cet endroit, il faut qu'il soit à... Bah non, on s'en fout, mais à une certaine distance, quand même pas trop trop près. C'est par rapport aux commandes bloc. On va se faire une petite plateforme avec un point central. Voilà, comme ceci. Et chaque fois qu'un joueur se connecte à la partie, il va spawner dans cette région. Donc si je fais un kill, vous allez voir que... Voilà, j'ai spawné au hasard. Là, vous avez vu, j'ai spawné un... Là, si on se retue, j'ai spawné... Est-ce que j'ai spawné au même endroit ou pas? Je vais regarder les coordonnées. Là, je suis en moins 634, 84. Voilà, moins 637, 85. Donc on spawn bien au hasard dans cette région-là. Donc ça va nous permettre de détecter justement les joueurs. Pour ce faire, comment on fait? On utilise des tripwires. Alors cette technique, c'est... Pourquoi je mets des leviers? Je crois que c'est Seth Bling hein, qui a été le premier à la proposer. Et c'est vrai que c'est très 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 pratique. Vous allez voir. Pourquoi ça permet de détecter tout joueur entrant et de le téléporter. Alors pourquoi on veut aussi téléporter? Parce qu'on pourrait très bien construire notre zone de spawn ici. On veut. Alors c'est pas le téléport le plus important c'est qu'on détecte les joueurs qui arrivent sur le serveur. Pour plusieurs raisons. Pour mettre en place des règles. Donc ça c'est la première fois, on va mettre en place des règles sur le serveur, même si une fois que c'est mis sur la sauvegarde, il n'y a pas trop besoin, mais on va le laisser. Mais surtout pour typiquement. Changer le game mode des joueurs parce que on veut que les joueurs quand ils arrivent hop ils changent de game mode et qu'ils se mettent tout de suite en deux en mode aventure pour pas casser de bloc pour changer l'heure pourquoi pas pour changer enfin plein de trucs donc c'est pour ça qu'il faut impérativement les détecter dès qu'ils se connectent.
Donc, on va faire une grille en fait. On va faire une grille de tripwire. On en met absolument partout. Donc voilà, hein, tout le long. Et sur deux étages pour être sûr de tout détecter. Donc bah, je vais tout remplir de tripwire et puis on se retrouve. Enfin, de câbles, hein, ce que je suis en train de faire. Et puis on se retrouve après. Donc, nous revoici avec le grillage complètement terminé. Donc, sur deux niveaux, hein. Donc, comme on peut l'entendre, quoi qu'il arrive, dès qu'un joueur va spawner, si je me kill là. Voilà, j'active forcément, ou sinon après en bougeant, j'active forcément les tripwires. Du coup, il faut récupérer le courant qui vient de ces tripwires. 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Comment faire ça proprement? On fait tout le long. Et c'est 14 à distance max. Donc 1, 2, 3. Bon, on va se mettre au milieu. Hop. Un repeater. Et quoi qu'il arrive, si un des tripwires, il y a moins de. Le plus lointain qui est ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc on détecte ce côté-là. On va détecter ce côté-là aussi. C'est classique, hein. Et les étages, c'est pareil. Juste qu'il faut monter d'un étage. Hop, le centre, et en fait, même voilà, on va se mettre au sol, ça sera plus simple. Toute cette détection, on va l'envoyer donc sur des règles de commande. Pour rappel, ce qu'on veut faire, c'est que quand un joueur se connecte, on veut lui changer son game mode, on veut mettre en place les règles globales au jeu. Et. Celui-là. Et qu'est-ce qu'on veut d'autre? Et puis le téléporter sur la plateforme là-bas. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va les cacher en dessous, les commandes blocs. On va se faire une petite plateforme en dessous par rapport au centre. On va descendre un petit peu. Donc, on a dit, dans l'ordre, il nous faudra. Pour les règles, on a le game rule keep inventory à trous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme game rule? Je me souviens plus. On va faire des copier-coller, ça sera plus simple. Je pense qu'on peut le faire. Sortir du trou. Celle-là pour l'instant on va laisser à trou, mais après elle sera à false. Mais pour le débugage, on la veut à trou. Voilà. Donc celle-là c'est bon. Ça on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Pour l'instant ça n'a pas d'importance, je compte pas mettre de mob, tiles drop, on va le garder. On sait jamais, ça peut avoir un intérêt suivant les classes des joueurs. Ça c'est fait. Tiles drop c'est fait. Keep inventory c'est fait. Je vais juste la reprendre si jamais j'ai fait une faute d'orthographe. Parce que j'avais pas sous les yeux le truc exact. Ça avait l'air bon. Ah, petit lag. Mob griffing, on s'en fout. Et mob spawning, voilà, on va le laisser à false, même si ça n'a pas d'importance. Et je me trompe de touche à chaque fois. Voilà, donc tout ça sera activé. Et ensuite, ce qu'on va vouloir faire, avec un petit délai, et là on peut mettre le command block directement comme ça. On va faire un game mode 2 pour tous les joueurs. Et alors pour éviter des surcharges de serveurs,
Ensuite, on va téléporter les joueurs, mais on va pas téléporter tous les joueurs. Pourquoi? Parce que s'il y a 30 joueurs qui se connectent et que ça les téléporte tous d'un coup, enfin, ça peut causer des problèmes s'ils se connectent entre le moment où, typiquement, s'ils se connectent entre le moment où le courant passe ici et le moment où il y a le téléport, ils vont être téléportés sans avoir eu le game mode. Donc, on va utiliser un téléporteur sur un joueur aléatoire. Alors, par contre, ce qu'on va faire, alors il me faut des, c'est là qu'il me faut les coordonnées. C'est un peu particulier. On va TP tous les joueurs par rapport au point central qui sont dans un rayon de. On va prendre 10 blocs pour s'assurer que ça marche. On verra, ouais, 10 blocs, normalement ça devrait arriver jusqu'ici. Et c'est un carré. Donc on va prendre tout, parmi tous les joueurs de cette zone-là, on va prendre un joueur au hasard et on va le téléporter là-bas. Et je vais vous montrer comment faire ça. Là, ce qui change par rapport à ce qu'on a vu par le passé, je note juste les coordonnées. Moins 630, 57, 126. Ce qui change par rapport au passé, c'est que là, au lieu de. Nous, ce qu'on avait vu, c'est cette commande, c'est que ça TP un joueur le plus proche à ces coordonnées-là. Là, on va définir une zone de recherche. Donc, ça va TP le joueur le plus proche dans la zone. Notre point central, c'est moins 630, 54, 90, dans un rayon égal. 10 blocs, on a dit. Hop, et on le TP en moins 630, 57, 126. Donc cette commande-là, qui est quand même un peu plus compliquée que ce qu'on a vu, donc ça, voilà, ça TP un joueur au hasard. Le carré, ça permet de d'indiquer des conditions. Quel joueur au hasard? Le joueur au hasard dans cette zone-là. On peut définir beaucoup de choses, hein. Pour l'instant, j'ai défini juste X, Y, Z et un rayon, mais on peut définir d'autres trucs. On le verra par la suite. Quoique, je peux regarder directement qu'est-ce qu'on peut définir d'autre. Je suis en train d'ouvrir le wiki. Alors, on peut définir le, voilà, le rayon de recherche maximum. Donc voilà, c'est après qu'on utilise une target, on peut mettre des arguments optionnels. Donc c'est ce qu'on a mis entre crochets. On définit un X, Y, Z qui est les coordonnées de point central du recherche. R, c'est le rayon maximum de recherche. Donc là j'ai mis 10, hein. Donc un rayon de 10 ça va jusqu'à moins 640. D'ailleurs ça doit être 11 parce que vaut mieux mettre 11 parce que j'ai 10 blocs et plus le bloc central ça fait 11. On peut définir aussi un rayon minimum de recherche, c'est-à-dire que si on veut prendre, on met un point central et on veut prendre tout ce qui est à plus de 5 blocs de ce point central et jusqu'à un certain nombre de blocs. On peut aussi définir de ne prendre que les joueurs qui sont dans un certain type de game mode. Et on peut mettre aussi le maximum de joueurs qu'on téléporte, si on veut les téléporter deux par deux. Et on peut jouer aussi sur le niveau d'expérience des joueurs, si on veut téléporter que les joueurs qui ont un certain niveau d'expérience. Ça peut être très pratique si par exemple vous voulez faire une map aventure et vous voulez dire une des quêtes c'est atteindre le niveau 50 avant de pouvoir accéder à la suite. Et vous pouvez vérifier ça avec un command block, c'est-à-dire ne l'autoriser que pour les joueurs qui ont un niveau plus élevé que 50. Donc pour l'instant, voilà, cette commande, ça va TP tous les joueurs dans cette zone-là aux coordonnées que j'ai indiquées. Enfin, pas tous les joueurs. Le P, c'est un joueur aléatoire. Alors, non, c'est le plus proche. J'aurais pu faire un joueur aléatoire. On va prendre le plus proche, c'est plus simple. Donc, là, ça va devenir un petit peu plus particulier. Alors, je vais toujours faire ça sur des. Ce sera plus simple pour reconnaître le circuit. On va descendre le courant encore un peu. On va avoir quelque chose de particulier. 1, 2, 3, 4. Donc le courant descend. Qu'on va devoir faire, c'est un petit peu particulier avec les tripwires. On peut pas dire que dès que les tripwires sont enclenchés, d'envoyer du courant là-dedans. Pourquoi? Parce que si on a deux joueurs qui arrivent en même temps dans cette région, ça va déclencher le courant. Touk-touk-touk, le courant va être balancé là-dedans. Donc ça va activer tous ces commandes blocs, donc changer les règles du jeu, changer le game mode pour tous les joueurs, et téléporter le joueur le plus proche. Mais du coup, il va rester un autre joueur.
qui va être dans les tripwires, le courant va rester et ne va pas réactiver les commandes blocs. Donc ce qu'on va faire, et je vais le faire ici, voilà, la sortie sera là, même un peu plus. On va se faire une petite horloge, tout simplement. Touk, touk, touk. Voilà, donc ça c'est une horloge et c'est fait uniquement pour que voilà, ça active tous les X temps les command blocks. Alors cette horloge, va falloir la contrôler évidemment. Pour l'instant, on la désactive. Et comment on contrôle l'horloge? Et bien tout simplement avec les tripwires. Ce qui veut dire que... Ouais, c'est bon, on est à un bon niveau là. On va le faire descendre encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merde. 7, 8, 9, 10. Ouf. Ouais, il aime pas quand je casse les blocs au-dessus du vide comme ça. Voilà. Et ça va commander. Et alors, faut que je fasse attention que les délais soient les mêmes, mais ça, on va se débrouiller. Du coup, bah, chaque fois qu'on va activer le tripwire, alors là, c'est que ceux-là qui sont détectés. Accessoirement, j'ai pas besoin de détecter de ce côté-là. Hein. J'ai fait la détection tout autour, mais ça sert strictement à rien, puisque si c'est détecté de ce côté-là, c'est détecté de ce côté-là. On va quand même le mettre par mesure de sécurité, c'est tout. Même si ça a pas plus d'intérêt que ça. Merde, pas cassé le bon bloc. Donc, bah, je vais finir de raccorder tout le tour à mon horloge en bas, et comme ça on va l'avoir en fonctionnement. Donc pour rappel, hein, quand les tripwires sont activés, il y a du courant qui est balancé ici, ça éteint la torche, l'horloge se met en route, et voilà, j'ai oublié de juste relier ça. Et ça va activer tous ces commandes blocs. Donc je finis de relier juste le circuit et on teste ça ensemble. Donc voilà, c'est relié, hein. J'ai mes chaque sortie, hop, ici, là-bas, de chaque côté, qui s'enfoncent et qui vont toutes contrôler cette horloge. Donc, ben, on peut tester. J'ai plus besoin de laisser tout ça là. On va virer, ça sert à rien. Hop, hop. Et logiquement, et voilà, donc là ça a bien fonctionné. Si je fais, alors par contre je me suis trompé d'une coordonnée, tiens apparemment, c'est moins 631, moins 631, j'aurais mis moins 630, il m'a décalé de 1, on va aller voir ça, ah merde, game mode 1... Ouais, j'ai mis moins 630. Moins 631. Et bah, à chaque fois qu'on fait un kill. Hop là. Si je refais un kill, etc. etc. Ah bah là c'est bien, on est arrivé. Ah, intéressant. Donc là vous voyez, intéressant à voir. C'est que. Oh putain, ça va être chaud à faire. Voilà. Je suis pas rentré dans sa zone pour le téléporte. C'est à dire qu'il m'a pas considéré comme dans la zone. Le rayon en fait je sais pas si... Faut que je regarde un peu de doc là dessus. Search radius. Il précise pas si le rayon... Je suis en train de chercher en même temps. Si c'est quelque chose par rapport à un cercle ou à un ça fait un carré. Donc il faudrait que je regarde ça. Toujours est-il que 11 rayons, ça suffit pas. On va tester au fur et à mesure. 12, tiens, on va voir. En attendant, on va laisser les autres, c'est très bien. Donc 12 de rayons, est-ce que ça marche? Je veux jusqu'à ce que ça marche dans le coin là. Ok, là ça n'a pas marché non plus. Donc c'est bien ce que je pensais. Hop, il m'a changé mon game mode. C'est que... alors pour l'instant... On va mettre game mode 1 pour pas que ça soit chiant. Ça doit être un rayon circulaire.
Pour être sûr de ça, il suffit que je me positionne en face et là ça devrait marcher. Ouais, gagné. Donc un peu de maths. Logiquement pour arriver jusqu'ici, c'est racine de 2 fois notre truc. Je crois que c'est ça, ouais. Donc c'est un 33 fois 10. Logiquement 13 devrait suffire. Sur mes 14, ça devrait être bon. On peut allonger un petit peu. Si je prends un rayon de 14, on va tester. Donc ouais, c'est souvent le souci avec le quand on construit les jeux, c'est que notamment avec ces coordonnées-là, il y a beaucoup beaucoup de tests à faire. Pour ça que c'est long aussi. Ah, ça a pas marché. Donc je sais pas comment ils calculent du tout le rayon, mais c'est beaucoup plus important que ça. Donc je vais tâtonner jusqu'à trouver la bonne valeur, parce que je veux pas non plus que ça dépasse. Et puis quand c'est le cas, je reviens vers vous. Bon ben ce fut pas long, c'est 15 la bonne valeur. Donc je m'étais. C'est un peu plus que je pensais. Donc voilà, c'est bien un cercle de 15 blocs qui fait tout le tour. Même une sphère, je pense, hein, ça marche en sphère. Donc là, en mettant 15, c'est bon. Et maintenant, tout kill fonctionnera. Peu importe où je respawn. Voilà, boum, et ça me téléporte. Donc voici pour la première partie du jeu, hein, donc la zone de spawn. Qui permet de mettre tout en place pour démarrer le jeu. On va remettre les trucs proprement, à savoir Game Mode 2. Je veux que ça soit en mode aventure. Pour l'instant, je vais juste lisser le Command Block Output parce qu'il me le faut, mais il faudra pas que j'oublie de changer ça. Et puis, ben, la prochaine fois. On va commencer à s'attaquer à quoi? Bah je sais pas, faut que je réfléchisse d'ici là. J'ai repensé à un truc. Au lieu de faire des combats de temps de 3 minutes, ou premier à 5 kills, on fait du genre 5 combats de. Il n'y a même pas besoin d'en faire 5, logiquement 3 suffisent. Bah voilà, 3 combats. De 1 minute, c'est le premier à 2 tout simplement, donc quelque chose dans ce genre-là, ou plutôt 5, ça en fait plus. Un combat de. On va mettre 45 secondes, et donc c'est celui avec le plus gros score, donc le premier à 3 grosso modo. Pourquoi forcer au niveau du temps? Parce que le souci c'est si on met. X combat comment dire? Si on met un combat de 3 minutes en tout et qu'il y en a un qui fait 2 kills, ensuite il a plus qu'à se faire killer et puis ne pas appuyer sur le bouton respawn et attendre jusqu'à ce que la partie soit finie. Ce qui est un petit peu con. Voilà, d'ailleurs la difficulté. Bon, je réfléchirai hors caméra, mais j'ai encore quelques zones de flou. On verra ensemble comment on fait. Puis si jamais on a des soucis, de toute façon, on fera autrement. Donc voilà pour ce deuxième épisode. Et puis ben, on continue la prochaine fois. Allez, bye bye.